Salut YouTube, comment tu vas? On poursuit notre aventure Black Myth Wukong. On est dans une zone secrète, là. Moi qui pensais changer de zone et tout. Et comme c'est une zone secrète, faut la faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, on fait tout, tu vois. Mais je me dis, c'est changement d'ambiance. Du coup, c'est autre chose, quoi. Pas du tout. On est toujours sur le même chapitre, le chapitre 4. Donc techniquement, on doit aller au village pour buter le roi scorpion, là. Enfin, c'est pas le roi scorpion, comment ils ont dit? Oh, le scorpion, quoi. Lui prendre son aiguillon. L'aiguillon mortel. Donc on va voir. Bon, déjà là, on va se taper un arbre... un arbre bodybuildé, là. 100% lui. Bon, écoutez, let's go. Allez, ça commence déjà avec un combat. Sachant qu'on a tout first try. Très dommage de mourir, là. Sachant qu'on est encore à une VOD sans mourir. Franchement, c'est incroyable. Bonjour l'homme arbre. Ok, je commence déjà à le taper. Ok, il gogolise. Faut le bloquer. Tu te calmes. J'ai dit tu te calmes. Voilà. C'est Mike Tyson des Woods, c'est ça. Bah ben Mike Tyson, c'est bon. Voilà, n'en parle plus. Et on est full life. On n'a rien perdu. Parce qu'aussi, on a les compétences qui, quand on fait une attaque chargée, quand on utilise des points de concentration, ça nous rend des PV. Donc en fait, on n'a perdu aucun PV. Bon, après, ça, c'est vraiment mini boss. Mais c'est un first strike. Ouais. Voilà. L'éclat verdoyant. Oh, regardez, on a un truc pour la gourde. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon, ça. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors déjà, voyons voir. Il y a de l'ennemi. Hein. Il y en a un. Verte feuille. Oh, et on commence direct avec un petit poème en plus. Ça, c'est beau. Au cœur des feuillages luxuriants, les branches sans un bruit s'entremêlent. Libéré de nos terrestres tourments, sa quête est aussi ferme qu'éternelle. Ah, c'est beau! C'est beau! Alors attendez, on va faire un truc vite zef avant. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, on reset l'audio pour éviter les grésillements. Voilà. Ok. Eh ben, pas mal, ça. Et du coup, l'esprit, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? C'est lui. Éclat verdoyant. Adopter la forme d'un arbre, absorber l'essence de la nature pour récupérer de la santé en continu. L'effet de soin est renforcé dans l'eau. Et équipé permet de récupérer graduellement une petite quantité de santé. Pas mal, ça, c'est pas mal. Ça peut être ok. Mais est-ce qu'on est prêt à lâcher 30 de défense pour avoir une régène constante de santé? Sachant que ça peut être pas énorme. Donc on se louperait peut-être la santé, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, toujours est-il que là, on va sucer les esprits tranquillement. Toujours plaisir de commencer une VOD en suçant des esprits. C'est beau. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Ok. On retourne à l'hôtel, on se remet du mana. Comme ça on est full pour partir en exploration. Parce que là je pense que après... Ah, il y a tout ça. Oh là, il y a des ennemis là aussi. Bon, écoutez, non, allez, on y va. On manque 12 de mana. Oh, il y a un autre hôtel là-bas de toute façon. Et toi? Dis bonjour au pénétrator. Voilà. Alors, bah l'hôtel est ici. Donc c'est parfait. Ah, la zone secrète. Et le chapitre 4, il est long. Il est long, collègue, mais... Ça fait plaisir, en vrai. Ça fait quand même un peu plaisir. Voilà, on s'est remis full.
Donc ça c'est... Ce serait pas le... Le port? Je crois pas. C'est vrai qu'on dirait la maison de Goku. C'est la maison du grand-père à Goku, ça. Mais ils sont tous bourrés là-dedans ou quoi? Oh les gars, mollo! Mais qui c'est lui? Bon, c'est un boss, ça c'est sûr, mais... Bonjour? Mais c'est le scorpion, ça! Regardez ça, c'est un dard. Elle est où la tête-tête? Elle est où le cul-cul? Ah non, c'est c'est pas son dard, ça, c'est une de ses pinces. La tête-tête, elle est là. Jambes. Ah ouais, le mec, le man, il est posé. Il est posé en train de picoler. Il est la pose du Giga Chad là. Bonjour. Alors, à ce qui paraît, vous faites chier le monde. Ok. Bah je m'en vais. Je peux pas partir. Face de paix. Ok. Bah je m'en vais hein. Alors, vraiment, on va s'en aller. Hein. On s'en va premier degré, mais c'est pas parce que je veux pas l'affronter, c'est que j'aimerais bien faire la zone avant. Là, il y avait un ennemi, mais il y est plus. Ok. Je veux explorer la zone pour être tranquille. Après, il y a les hôtels. Donc, quoi qu'il arrive, on peut retourner. Mais si on peut la faire en une fois, on sera tranquille. Et si on lui mettait une olive à lui? Olive! Non, ça marche pas. Ah, j'ai changé ma posture, mais comme c'était chargé avant, ça a pris la posture avec laquelle j'ai chargé. C'est bon à savoir, ça. On peut pas changer en cours de truc. Oh, oui! De compétences en plus. Allez-y. Hop là, cadeau. Écoutez ce doux bruit. Hop là. Est-ce que vous avez le cœur apaisé là? Moi, je suis apaisé. Ok. Bon, on a toujours le scorpion alcoolique. Eh! Bâtard. Il a enchaîné trois flèches d'un coup. Il nous a touché un peu. On a failli être empoisonné. Ouais, il y a R ici. Hein. Hop. Ce sont les esprits. Et là, en fait, on arrive juste de l'autre côté, en passant là. Ok. Calme-toi, calme-toi. Y'a pas de pression.
Vous êtes dans un lieu magnifique, là, et puis vous vous mettez la pression, là. Profitons. Bon, toi, clairement. Voilà, c'était sûr. Ok. Aurait été un peu dommage de prendre des dégâts comme ça. Alors attendez, parce que j'ai Enfant du RN, tu es l'allié des Le Pen. Cherche les bulletins. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, tu combats les insoumis. Avec ta grande mentor, tu adores le tricolore. Merci beaucoup pour cette petite interlude musicale. Ok, donc on a eu un bibelot. Qu'est-ce que ça donne? Augmente légèrement l'expérience obtenue en éliminant des ennemis. C'est pas mal aussi. On préfère la thune que l'expérience, mais c'est cool. Bon, encore un arbre là, caché. On a une perle de Sylvie ici. République, c'est Wukong. Non, il allait faire une dinguerie. Allez hop, Wukong bûcheron. Donc, ici... Attendez, je suis perdu. On vient de où ? Nous, on vient de là-bas. Mais genre, derrière tout ça... Non, là, on a l'hôtel. Attendez, je reconnais plus l'endroit. Il est où l'autre hôtel ? Y'a pas de l'eau, normalement ? Ah si, là. J'avais perdu le pont. Ok. Alors, il y a ça, mais ici. Il y a encore une perle à Sylvie, là. On va prendre. Hop. Merci, Sylvie. Et on remercie tous Sylvie pour sa perle. Oh, putain, encore. Aïe! Arrête! Tu arrêtes maintenant! Voilà. Faut... Oh putain, et lui il va venir me faire chier. Heureusement que tu sais pas viser. Attaque Sylvestre, c'est ça. Ah putain, allez. Suivant. Oh, c'est un esprit que... Il est un peu plus résistant lui. Oh putain, il y a son pote en plus qui... Qui envoie des flèches. Et en plus, ils sont pas palpables! Non, 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 il y a volonté de nuire, là! Oh, le bordel. Ok, ok, attends. Attends, attends, l'esprit, j'arrive. Ok. Oh merde. En vrai, en vrai. Ouais. Pas mal. Attends. Toi, shit, tu veux qu'on parle? Pas de problème, on va parler. J'arrive. Hein. J'arrive. Fais pas le Mario, j'arrive. Prends un coffre. Attends, j'ouvre ce coffre et j'arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Corbeau de soleil d'or, qu'est-ce que c'est que ça? Augmente légèrement le bonus de dégâts. C'est tout.
Cet effet est accru en étant équipé du lapin de lune de jade. Mais on n'a pas ça. C'est pareil, on a un truc qui augmente quand on équipe... qui augmente un truc quand on équipe autre chose. C'est quoi ? Pas ça. Ah, oh, je sais plus. Mais on a un truc qui augmente quelque chose d'autre. Ah, oh, je sais plus, ça me fait chier. Voilà. Ah, c'était ça, non ? Cet effet était accru, voilà, c'est ça. Du corbeau soleil. Bah, c'est ça. Donc, augmente la réduction de dégâts, et si on met ça... Ça augmente encore en plus. Ça y est, t'es fiché. Merde. Oh, l'attaque sautée, là. Voilà, c'est bon. Est-ce que je peux sucer mon esprit tranquillement, maintenant ? Voilà, et hop, on est full life. Notre gourde est full aussi. Le serpent herboriste. Est-ce que vraiment... c'est un serpent herboriste ? Parce que moi, je le vois plus comme un serpent... un serpent nucléaire, quoi. Un serpent radioactif. Mais bon, après... Adoptez la forme d'un serpent herboriste. Répandez du venin de votre panier d'herbe au sol pour former des flaques toxiques. Les ennemis qui touchent ces flaques cumulent les effets de fléau poison. On a beaucoup de trucs de poison. Hein. Permet de récupérer une petite quantité de santé en prenant un remède. D'accord, donc si on prenait un remède, ça nous donnerait des PV en plus. Pourquoi pas? Mais non, en fait, non, parce que... Et là, ça nous amène où, ça? Ça nous ramène là. Ok, il y a le pont, etc. Bien. Donc, on peut continuer par là. Il y a un hôtel ! Laissez-moi aller devant l'hôtel ! Tu sais pas le faire, c'est comme ça ! Ok. Ouais, zone secrète, c'est complètement une zone, quoi. Rien de secret, quoi. T'as vu le bordel ? Ça sert à rien de faire récupérer, sachant que... on est full. Comme on est extrêmement bon, on ne perd pas de PV. Il y a des choses là-bas, c'est super. C'est sûr, regardez, il y a des perles de Sylvie, là. Hop, des perles, là. Et on dit qui ? On dit merci, Sylvie. C'est quand même important de remercier les gens. On est où, là ? On l'a fait, ça. Et après, on est parti par là, on a tabassé un arbre. Ok, donc ça, c'est fait. Du coup, on peut aller là. L'hôtel a été activé, j'allais encore dire le feu. J'ai un problème, hein. Enfin, c'est une habitude. Une habitude de dire feu à place. Quoi ? Ça va, mec ? T'avais une diarrhée ? Pourquoi il est parti en courant? Moi je veux habiter là en fait. Personne veut habiter là? Regardez. Et toi? Quoi? Comment ça mon ref? Comment ça mon ref? Bonjour madame! Monsieur? Parler ? Xiao Ju Shi, ni jian zui suo sai, ji shou mian huang. Yi fu lao bing gui mo yang.
Bah non. Donc si j'ai bien compris, on va encore nettoyer le caca des gens. Bah comme d'hab quoi. Mange à rien. Est-ce que c'est eux tes condisciples ? Ok, bon, j'ai compris. Allez, venez. Non, mais c'est un enfer. Déjà, faut taper le roi scorpion là, plus ça. Bon, un moment. Moi, je veux juste manger des bananes dans mes arbres. Faites-moi pas chier, quoi. Voilà. Merde, hein. Est-ce que moi, en tant que singe, est-ce que j'ai le droit au bonheur? Ah non, mais en plus, faut fouiller tout le village, là. Oh, toi, mon ref. Et toi, moi aussi je peux jouer du pinceau. Voilà, allez, casse-toi. Bon, j'imagine que c'est eux, ses potes. Il a beaucoup de potes, hein. Il a beaucoup de potes. Est-ce que ça nous arrange qu'il ait des potes? Bah non, ça fait chier parce que du coup, plus il a de potes, plus il faut tuer des gens, plus cette zone va encore mettre 150 ans. Bon, après, on loot. Donc, en soi... Ça me va, moi. Ça me va. Allez, champignon. Reste là. Bien. Un bon champignon. Oh, putain. Il y a des toiles d'araignée. Bon, bah... Ouais, voilà. Je loot, hein. Des PV? Ah non, rien du tout. Formule de pilule salvatrice. Attendez, y a combien de pilules différentes là-dedans? Permet de récupérer instantanément toute la santé? Ah, mais ça, on l'a! Merde, je me trompe. C'est pas ça. Là, ouais, on en a déjà une. On en a 6 dans notre coffre. Permet de récupérer instantanément toute la santé, supprime les 4 fléaux. Donc ça oui, on en avait déjà. On connaît. Mais on n'avait pas le... Pardon. On n'avait pas le plan. Oh, c'est chaud, c'est vrai. Fils de flûte! Oh, toi, tu vas... Oh, tu vas manger cher pour tout le monde, toi. Voilà. C'est quoi? Grêle violette? Mais on a trop de trucs. Il y a beaucoup, beaucoup trop de trucs. Qu'est-ce que c'est qu'une grêle violette? Il n'y a rien de violet là-dedans. Et ça bouge. Ah, mais c'est ça, c'est les œufs. Les restes des daoïstes décédés du hameau de chute de pétales pourraient bien être ceux que le daoïste mis aux abords du temple recherche. C'est ça. Il lui en faut combien? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Oh, tu me fais chier! Casse-toi!
Mais personne personne t'aime. Voilà. Allez, casse-toi. J'ai entendu un temple. Un hôtel. Il est où l'hôtel? Cette zone secrète a déjà 4 hôtels différents. J'y n'aime plus. Bon, ça c'est ouais, on peut. Eh, hey, il y a vraiment beaucoup de pilules. Hein. Ça en fait de la pilule. Hein. Non, je veux pas me reposer ou quoi. Daumen Body. Voilà. Parfait, bah cool ma life. À quand un boss grenouille? Il y a longtemps. J'ai envie de raffronter une grosse grenouille. Non mais j'ai l'impression d'avoir oublié des choses là. J'ai l'impression de pas avoir fait tout le village. Et j'ai l'impression qu'on se casse si on va là-bas. Attendez. On veut faire les choses correctement ici. Déjà voilà, on va faire un peu le ménage. Attendez, on peut passer là? Non mais il y a un champlax. Putain, non. La cam. Voilà. En plus, tous les champignons, on en a 500 000. On en a presque jamais utilisé. Après, c'est parce que je suis un gros rat. Ça, c'est connu. Mais quand même, on peut aller là. Non. Ok. Ça, ça a été fait, ça, si... Par contre, là-bas, non. Pardon. Excusez-moi. Là, on l'a pas fait ici. Et si je me trompe pas, il y a un passage ici. Et ça mène où, ça? Ça mène voir notre pote, là? Bah, tiens. Tiens, j'ai un œuf là. Est-ce que ça t'intéresse? Cadeau. Le bouffe pas, hein. Oh, il va nous faire une entour, les poules. 小居士，你我相识一场也是难得，不如再帮我一回，将猴头留下，我好与师父交差。Voilà, je l'avais dit, entoure les poules. T'as voulu jouer avec mes couilles, mec? Tu vas rien comprendre. Hé mon ref! J'ai des super larbins avec moi! First try! Ah mais il y a une P2 du coup. Mâche bien. Ah. Il s'est un peu étouffé. Attends, faut peut-être que je m'éloigne de cette zone. Ça me semble logique. Faut que je m'éloigne de cette zone, mais je reste dedans. Parce que je suis un sac à foutre.
Mais first strike quand même. Pas de meilleure gueule comme ça. Ah, c'est elle là. Vous avez un long coup, madame. Alors, non. Vous serez presque à mon goût, mais il y a un petit truc qui me dérange. Et du coup, on a un sort. Ah, c'était un sort. Vert violet, violence innée. Transformez-vous en un gouaille vert immunisé au poison. Appliquez l'état de fléau de poison aux ennemis à chaque attaque. D'accord. Pourquoi pas. Alors, le taoïste Mi. Oh là, petit poème. Attention. Fleur semée sur le sol de la forêt. Dans le vent, note de musique experte. Son habit camoufle ses faussettes. Ses faussetés, pardon. Son cœur noirci vous mène à votre perte. Ah ouais, fausseté. Bah, je connaissais pas ce mot. Ouais, en soi aussi. Ça marche, c'est comme la bonté, en fait. Par contre... Putain, en fait, je me dis, c'est bon, il n'y a plus de sort. Tiens, ils te remettent un de sort. On peut voir à quoi il ressemble. Voir la transformation. Ah. Ça a l'air long. Il est lent. J'imagine qu'on a un sort. On en a deux. Conscience collective. Ordonnée. Aux larves infestées d'éclore, infligeant instantanément de sévères dégâts. Absorber une partie de la nuée pour récupérer une quantité considérable de santé. Attends. Attaque lourde, mortification. Imprégnez la lame avec des œufs en vous mutilant. La lame peut accueillir jusqu'à 4 cumuls d'œufs. Chaque attaque légère consomme un cumul. Infestant les blessures ennemies des larves qui éclosent et meurent après une courte période. Donc en fait, il faut... Si j'ai bien compris, faire une attaque lourde, enchaîner des attaques légères, ensuite taper conscience, le sort conscience collective, et puis après auto-détonation, déclencher une explosion pour infliger des dégâts de zone au moment de la détransformation. Ce sort active également conscience collective. Ah, il l'active en même temps, provoquant l'explosion de toutes les larves restant sur l'ennemi. D'accord. I see. On a 6 points hein, de compétences à mettre. Un jour, on les mettra. Je sais toujours pas dans quoi on peut les mettre, hein, mais je vous jure, un jour, on les met. Voilà. Je vous le dis. Un jour, ils seront mis. Bon, par contre, attendez, on a encore des choses à voir. Oh, Champlard. Allez, hop. Champix, là. Champix, c'était pas un truc pour arrêter de fumer, ça? Genre des pilules que tu devais prendre... Il me semble que c'était un truc dans ce style-là. Ah. Ouais, toi, je t'ai vu. Mais je t'ai vu, mon ref. Prendre pour un con, quoi. C'était sûr. Oh, j'en étais sûr aussi, celle-là. Non.
À un moment, monsieur, vous ne deviez pas me toucher ici. Ne me touchez pas, ma personne est sacrée. Allez, de l'or. Oh là là, et ça c'est la richesse. Hein. Bon, on a clean ce village normalement. Ah non. Autant pour Wham. Autant pour Wham. Oh mais ils sont combien? Allez, il y a rien derrière. Oh, il m'a empoisonné. Après, j'ai pas fait d'effort, hein. Je suis resté dedans. Oh, les steaks, quoi. M'en fous, qu'est-ce que je foutrais là? Il y a un puits, bah cool. Une belle jambe. On peut monter, là. Regardez, pourquoi ils ont fait un truc comme si tu pouvais monter alors que tu ne peux pas, et ils te mettent un mur invisible. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Bon, normalement, c'est bon. Là, on l'a fait. Et donc, si on repasse là, on va à gauche, et là, on a l'hôtel. Ok, et on peut toujours grimper. Bon, on a toujours le roi scorpion aussi. Est-ce qu'on se le fait pas, là? Est-ce que ça serait-il pas le moment de le faire? Moi, je pense que oui. Donc, voyager. Caverne aux étoiles. C'est ici, normalement. Parce que je pense que si on lui pète un pot, ou un truc du genre à faire... T'as cassé mon pot, ma vinasse. Je vais te casser la gueule. Et là, il s'énerve. C'est à peu près comme ça que ça va se passer. Hein. Voilà, je vous spoil. Mais c'est à peu près comme ça. Et là, attention. Hey gros. Ça va? Attends, attends. Avant. T'occupes pas de moi. T'occupes pas. C'est quoi ça encore? C'est une recette qu'on a eue? C'est une pilule? Qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'on a eu. C'est la recette de ça? Pourquoi elle apparaît pas? Je sais pas. Augmente fortement l'attaque, les chances de coups critiques et les dégâts pendant une longue période après utilisation. On n'utilisera pas ces objets-là. Sauf si vraiment je suis en PLS. Bon alors par contre. Mec. Viens, on se bat. Il a l'air un peu énervé. Oh. Oui. Aïe. Faut que je fasse quoi? J'arrive pas à esquiver. Breakdance! Motherfucker, breakdance! Je fais le kéké, je fais le kéké, attendez. Breakdance! Motherfucking breakdance! Bah alors, on se barre. Il gogolise. T'énerve pas, mais t'énerve pas.
t'énerve. Oh. On est un peu tous potes dans cette histoire. Aïe. Ah, il fait deux fois. Ok. Aïe. Tu es derrière. Tu veux un coup de boule? Coup de boule, mon ref. Alors? Oh non, mais saute. Ok. Pas trop du jeu, ça. Ta, 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 ta. Il était là, l'Ultra Instinct. First try, encore une fois. Bon, il nous a un peu plus dérangé que les autres. Certes. Il était un peu plus vénère. Mais... on est juste les boss, en fait. J'attends mon prime et je te le mets. Vas-y, mets-moi tout, mec. Ça marche, merci beaucoup. Et c'est bon, c'est une victoire. First try encore. Nous ne dépasserons pas. Je l'ai dit, hein. On finit le jeu à 70. Bon, peut-être pas, quand même. Oh putain, on a un poème qui est long. C'est parfait, ça. Attention. Dans les environs de la résidence de la divinité, je sirote le vin de la tristesse. Armure dorée, griffe dorée, emprise du poison, en détresse. Chant du coq, larmes de sang, corps près de se briser. Mon amour décroît et croît comme la lune, mais brûle éternellement, comme l'étreinte du soleil à jamais enlacée. Putain, c'est beau! C'est beau! Allez hop, je vous laisse le lore, allez-y! Vous pouvez le lire. N'hésitez pas à faire pause, voilà. Bon, en live, c'est un peu plus compliqué, mais... merdez-vous, quoi. Ok, et du coup, on va pouvoir faire certainement une nouvelle arme, parce qu'on a eu le dard mortel. Le célèbre aiguillon mortel lui a été confié. Ah, c'est un truc qu'on te donne? Maintenant que son propriétaire est mort, il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, car il sert à la fabrication d'armure. Ah, c'est pas arme, c'est armure. Mais on a eu ça en plus, corne perce ciel, on en a eu une deuxième du coup. Cette corne singulière, nanana, fabrication d'armes. Donc on va pouvoir créer des armes normalement en plus, ou améliorer. On a eu une gourde aussi. Gourde de jade colorée. Augmente fortement la vitesse d'utilisation de la gourde. Ah! Ça peut être vraiment pas mal ça. Ça a aucun incident. Bon par contre c'est que 7 charges pour l'instant alors que nous on est à 9 hein. Ce qui est le max, hein. Le max pour cette gourde-là. Je sais pas si les autres peuvent... Je pense pas. Comme elle, je crois qu'elle est au niveau max aussi. Et du coup, c'est 8 charges. Et là, on sera à 8 charges aussi, en buvant plus vite. Moi, ce qui serait intéressant, c'est qu'on améliore notre pinard. Si on améliore notre pinard, techniquement, on pourrait peut-être commencer à se dire, tiens, on va changer... à changer de gourde. C'est de l'autre côté. On va se re-TP. On va se re-TP à la suite du coup parce que j'ai l'impression qu'on a encore des choses à faire. Après là, est-ce qu'on irait pas parler à la meuf serpent? Parce que techniquement, on l'a tué le scorpion. Elle devrait être contente. C'est normal, c'est la gourde à Jade. On remercie Jade. Merci hein, Jade. Et donc on a cette armure. Ça. Le style quand même. En vrai, c'est classe, regardez. Bon, tu mets pas ce casque-là, admettons, tu mets celui-là. Tu mets cette armure.
Bam, tu mets des gants comme ça ou... Non, on les a. Voilà, regardez. Bam. Et je sais pas si on les a... Enfin, c'est ceux-là. Parce qu'en fait, il y a un set complet à avoir. Tac, tac. Et là, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose, on est d'accord. Bon, on pourrait les crafter, c'est toutes tes armures. Hein. Mais flemme. Juste flemme. On va aller à l'hôtel. On va aller voir la femme serpent. Et on va voir ce qu'elle nous dit. C'est vrai que j'ai été con, hein. L'hôtel est pile à 150 mètres, hein. On aurait pu le faire à pied. C'est pas grave. Je sais pas si... C'était loin. Je sais pas s'il y avait beaucoup de chemin à faire avant d'être... d'arriver à l'hôtel. Non, c'est juste là, normalement. Ah. Elle est plus là. Ah. Ouais. Bah génial. J'imagine qu'il va falloir aller la voir en haut. De la montagne. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Et bah les go. Attendez. On y va juste après ça. Avant, je veux me TP. Je veux voir. Il y a peut-être un pote là qui veut nous donner un truc sympa, quoi. Qui peut-être notre gourde aussi, parce que je crois qu'on a eu, on a de quoi peut-être améliorer notre gourde, ou du moins notre pinard. On va voir. On va voir. Ne stressons pas. Tout va bien se passer, c'est sûr. Alors. Allô les potes, c'est bon, c'est moi, je suis de retour. Comment ça va? Allez, est-ce que t'as des choses pour moi? Qu'est-ce que tu me donnes? En plus, on est comme si... Ouais, vas-y, donne-moi, trop bien et tout. On les utilise pas, ces bordels. Décoction tonifiante et granulée de ginseng. On les utilisera pas. Par contre, créer, remettre ça, par contre, ça, on va l'utiliser. On a 8 points à se mettre. Sachant que, ici... On peut aller jusqu'à combien? Créer 8 sur 9. Donc là, ça serait le dernier qu'on on va pouvoir mettre dans les PV. On met. On pourra pas se mettre plus. Non, attends, on va passer. Sympathique. Voilà. Donc là, on ne pourra pas se mettre plus de PV. On ne peut pas se mettre plus de défense. Voilà, créer 9 sur 9. On peut se mettre du mana. On peut se mettre de l'endurance max. Là, parce que j'ai réinitialisé, hein, parce qu'on avait la résistance au choc ou quoi. On pourrait se mettre un peu plus de résistance au poison. 2, c'est suffisant. La défense, elle est à fond. Qu'est-ce qu'on se met? Le mana, en vrai. Hein. On peut s'en créer 2. Allez, ça part. Et après, il nous restera un noyau qu'on va juste économiser, du coup. On va juste l'économiser, notre noyau, et puis on attendra pour mettre de l'endurance max ou encore du mana. Sachant qu'endurance max, on est à 340 hein, déjà. Ou alors on se met un petit peu de récupération d'endurance. En vrai, une petite récupération d'endurance, c'est bien. Allez hop! Chuya! Toi! C'est toi. Toi, tu m'intéresses, mec. Est-ce que tu vas pouvoir améliorer? Ah. Eh ben, c'est cette gourde-là? Bah non, c'est même pas celle-là. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que j'aurais pas une autre gourde plus tard? Plus intéressante que ça? Ah... J'ai pas envie de l'améliorer, parce que je me dis, ça tombe, il y aura une gourde plus intéressante.
Parce que là, je perds une charge. Et en fait, le seul truc que je fais, c'est que je remets de la santé à mes doubles. Est-ce que ça m'intéresse ? Moyen. Par contre, là, améliorer mon pinard. Ça, non. Ça coûte trop cher. Boum. Un pinard de 30 ans. Donc là, c'est 50% de PV qu'on se remet. Hein. Et la prochaine amélioration, on a un additif en plus. Donc au lieu d'en avoir, je sais plus combien, on en a 2, 3. On en a 2. On passera à 3. En plus de remettre plus de santé, etc. C'est pas mal. Est-ce que tu vends des choses ? Voilà, il vend une gourde à 10 000 balles là aussi. La récupération de la santé est réduite de moitié mais augmente l'attaque pendant une courte période après l'utilisation de la gourde. Mais il me faut une main gauche de Bouddha. On a que la main droite. Bon écoute. Ah ouais, puis attendez, on a une graine à lui donner aussi. Bonjour. Un truc pour toi. Tiens. En fait, c'est notre jardinier, Shenlong. C'est un peu notre jardinier. En soi, c'est un bon jardinier. Hein. Il fait son taf, on a de la récolte. C'est pas mal. Ça me va, moi. Yo, mec. Ce qui brille n'est pas forcément efficace. C'est vrai. Il a raison. Non, pas ça. Vendre. Oui. Allez, boum. Oh là 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 là. On a 157 000 balles. On a toujours ça, mais ça, je veux le garder, du coup. Parce que je ne sais pas. L'argent, c'est plus trop un problème. Est-ce qu'on peut améliorer des choses ? Donc ça, on peut toujours créer ce bâton. Et ça coûte 4 cœurs d'arbre d'or. Mais on ne peut... améliorer. On n'a pas d'amélioration pour notre bâton. Créer des armures. C'est pareil. En fait, on n'a que 2 fils d'or fin. Donc, est-ce que c'est mieux de créer une armure ou d'améliorer une armure ? Mais de toute façon, je suis con. Améliorer. Notre armure, celle-là, on ne peut pas l'améliorer plus. Parce qu'il nous faut un ruban céleste. Chose qu'on n'a pas. On n'a pas... Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On économise, du coup? Parce que, à terme, notre but, c'est quand même de tout améliorer. Ça, c'est sûr. Mais là, actuellement... actuellement... Parce que, regardez, il y a tout ça à créer. Pouah, ça pète le style. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Celle-là, elle tue aussi. On fait une quantité considérable de concentration en prenant un remède. Et augmente modérément la durée de tous les effets des remèdes. Ouais. Mais en soi, c'est très bien. C'est juste que nous, on veut du pognon. Pourquoi? Je sais pas, parce que là... Quoi que ça coûte 8000 balles hein, de créer juste une armure. Sachant que si tu veux te faire un full set, bon, t'as pas de fil d'or, donc t'es niqué. Mais bon, on a 157 000. Mais je pense que c'est les armures qui vont... Les armes qui vont pas faire du bien. C'est pareil, regardez ça. Ah, ça a du style, quoi. Ça a du style, faut le dire. Bon, bah, on peut rien faire. Et en boutique, non, toi, tu vends pas de fil d'or ou quoi, toi, c'est des trucs comme ça, mais on en a 110, des noyaux. Des noyaux, on en a pas tant que ça, on en a une trentaine, mais... Sert à rien. Eh ben, on se casse. Ouais, de toute façon, on n'a rien d'autre à voir. Parfait. Eh bien, cassons-nous. Et on va gravir la montagne du village pétale qui tombe. Non, c'est comment le nom ? Chute de pétale. Voilà. Alors, pic du nid nuage. Compliqué à dire. Hop, on est good. À l'hôtel du gardien, vous pourrez ajouter dans votre gourde les trésors rares que vous trouverez. Puis lorsque vous boirez, vous bénéficierez de leurs effets.
Y'a pas un... Attends. Si, y'a une gourde... Enfin, un additif où en fait, ça t'enlève des PV. C'est le truc de poison, je sais pas quoi, là. C'est énorme, ça. Allez. Bah, je pense qu'on est... Clairement, on doit être à la fin de la zone, hein. Oh putain. C'est sympa. J'y ai pensé après, j'ai peut-être fait le fou. Mais on a peut-être fait le fou en... Oh bâtard. En invoquant nos sbires. Parce que... Il y a peut-être une P2. Je regardais autre chose. Je me suis déconcentré une microseconde. Bâtard! Ah merde. C'est pas fini, c'est pas fini. Clairement. Putain, c'est stylé. C'est beaucoup trop classe. Pardon. Je le sens mal. C'est la mort. Notre série de victoire sans mourir est achevé. Après combien de boss en vrai? Combien de boss on a fait sans mourir? Ah, je suis dégoûté, on passe à 71 morts. Par contre, incroyable ce boss. Il est divin. Il est magnifique. Ah les bâtards. Comment ça, chais ?
Alors qu'on a géré le bordel. Ah par contre on doit se refaire la P2, la P1, en plus. Et comme vous le savez hein, mais... Voilà. Chaque combat se passe toujours mieux la première fois que la deuxième. Et ça va pas déroger à la règle. Ça va, je le touche. Ça a touché quand même, c'est ok. Ok. J'ai hésité, hein. J'ai un petit peu flippé, mais... Ok. Ça a été très très bien maîtrisé cette P1. Gameplay triangle. Non, ouais, ça va là. Eh, pas peu fier du bordel. Par contre là, attention. Ça va être autre chose. C'est la P2, deuxième try. On part de manière plus confortable que la P1. Enfin, que la première fois, que le premier try, mais... Ouais, allez. What? Comment ça, mon ref? C'est pas possible! Je me suis fait OS! Comment je peux me faire one shot? Je suis dégoûté, YouTube. Ça s'arrête là. Hein. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, bisous. Hein. Ciao. We'll be right back.